Et zoup! Bonsoir, bonsoir. Alors attendez, je remets mon interface en grand de l'autre côté, comme ça je peux ajouter mes petits repères. Bonsoir, bonsoir à tous! Avec cette chaleur, très bien et toi? Bah, du coup, c'est la forme. On est du coup sur le serveur parce qu'on a beaucoup de boulot. Voilà, comme vous voyez. J'ai récolté en neuf le champ d'orge. Du coup, il va falloir aller livrer parce que si je vous montre un peu le bordel, j'ai 371 000 litres d'orge. Donc voilà, j'ai une bonne réserve d'orge. Je suis en train de le replanter en orge encore un coup. Je pense que c'est une erreur, mais bon, c'est pas grave. Je suis en train de faire. Bah, d'ailleurs, mon centre soja est fini en bas aussi. Blé, on a 97 000 pour les poules. Ce sera pas dégueulasse non plus. Et il faut que j'aille livrer mon moulin. J'ai fait quelques petits achats hier soir, du coup, parce que je suis resté un peu plus longtemps que prévu après le live. Et du coup, j'ai avancé un peu sur le serveur vite fait. Et on va essayer de voir pour un peu de déco, un peu de maniement, les serres, mettre peut-être en vente les fraises, parce que j'ai quelques industries qui produisent à Tarbas, c'est le cas de le dire, alors je sais pas, je sais qu'il y en a plein qui me disent que voilà, c'est pas ça, mais pour la boulangerie, il me manque le sucre et le lait, et après ça va décoller. Les fraises sont en train de se remplir gentiment, donc j'ai plus qu'une prod de fraises qui tourne, comme vous voyez, j'ai tout désactivé sauf une. Parce qu'en fait, ça donnait. J'ai passé 24 heures, ça donnait un truc de fou. Et du coup, je vois que pour tourner sur une, pour pas bousiller trop de compos. Parce que les palettes vides, bah il faut les mecs du bois qui soient assez présents. Et pour l'instant, je leur bouffe un peu toutes les palettes vides, donc c'est compliqué. Et derrière, bien sûr, oignon concombre, il faut que je voie avec Patou, qui est du serveur communautaire, qui prend les usines, voir ce qu'il a besoin et lui produire ce qu'il a besoin automatiquement derrière. Donc on verra gentiment comment ça se passe. Attendez, j'ai un message de Katsu. Ah, yes. Ok. Tac. Elle vous fait des bisous, la Katsu. Elle vous fait des gros bisous. Et dit désolé de ne pas être là ce soir. Voilà. Elle a mal aux dents, la pauvre. Elle a pleuré toute l'après-midi. Elle s'éclatait les dents. Vous savez ce que c'est, hein, ça fait mal. Salut à tout le monde. Ça va bien? Salut Geoffrey. Il reste combien sur les 10 millions à rembourser? Eh ben, il me reste 9 millions 5, si je me rappelle bien. Ouais, 9 540 000, voilà. Donc je le grignote un tout petit peu au fur et à mesure. Mais c'est vrai que j'avance pas niveau remboursement, on a beaucoup d'achats à faire aussi. Donc j'avance pas terrible. Là on a que deux champs, hein. On a que le 63 que j'ai découpé en 3 pour mes cultures. On a le 62. Et là je voudrais acheter 60 et 61 pour les rassembler, pour faire un gros champ de malades. Et dire que derrière je puisse peut-être produire ce que les gars ont besoin sur le serveur. Donc là, ce soir sur le serveur, on a Nounous et Obélix, pardon. Ah, quand j'ai arrêté le camion, je Bijou. faisais 110 kilos. Bijou! Ah merde, on entend mon poids Bijou. sur le live. Ah, j'ai démuté pile au bon moment, t'as vu? C'est Et ouais, pile au bon moment, je parlais que j'avais perdu du poids, donc voilà. Voilà, désolé, excusez-moi. C'est pas grave, t'inquiète, hein. On discutait Non, non, normalement. non. On va arrêter. On va pas parler de ça en live, mais. Non. Moi aussi j'ai pris du poids, mais j'en ai pas perdu. Je l'ai pris, mais faut que je le perde maintenant parce que. J'ai pris de la brioche. Je me suis restabilisé. J'en ai moi. Salut Roro, J'ai de la salut réserve si on a 120, besoin. salut tout le monde. Comment va la Suisse? J'ai été boulanger pâtissier, donc de la brioche, j'ai de la réserve. Ah oui, Ouais. il paraît que ça aide pas trop. Bah quand t'as Ah, il 16 n'y a ans que plus de tu fais complément. boulanger pâtissier et qu'après tu fais chauffeur routier pendant 20 ans, non, ça aide pas. Ah ouais, non, ouais, là, c'est pas le bon plan du tout. Ouais, mais c'était bien. Du coup, comme vous Moi, voyez, quand je j'ai vais arrêté la ferme, commencer. j'ai pris 20 kilos. Bon, du coup, Je vais commencer légèrement à faire des dépenses. Voilà, je suis désolé. Mais il y a besoin d'une remorque pour les compléments alimentaires aux vaches. Parce que comment te dire qu'à chaque fois, je suis en rade. Et j'en ai marre d'être en Est-ce rade. Hein, que. donc, on va essayer de Alors, se prendre ça. Vas-y, Akiro, vous Timothée. avez parlé des hauts tarifs de rachat du lisier et du fumier. Oui, il m'a racheté ça assez cher d'ailleurs. Pour acheter à 300 euros les 1000 litres maintenant. Ouais, 300 euros les 1000 litres, ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Alors attends, je vais te remonter un peu. Alors, il voulait monter plus haut, moi je veux pas parce qu'après, en fait, on baisse notre seuil de rentabilité selon ce qu'on en fait. D'accord. Non, mais Donc, 300, c'est déjà très bien comparé à. Bah, comparé. voilà, parce qu'en fait, avant, Oh, j'ai pas assez d'argent. on se gagnait beaucoup, beaucoup de nef sur votre gueule là-dessus. Donc, voilà. Ah, oh, vous faites de l'argent sur notre dos. Ah, oh, c'est pour ça qu'on est pauvre. Oh. Non. Non, parce que de toute façon, on vous rachetait quand même plus cher que si vous l'aviez vendu au magasin. Déjà à D'accord. la base. Ok. Bon, bah c'est bien alors. Je sais pas qui c'est la voiture, je vais l'emprunter 30 secondes pour ramener ma Je remorque. sais pas du tout, mais j'arrive même pas à la trouver au La magasin noire? celle-là.
Elle est rouge, un gros 4-4 phénoménal. Des cornes. Ah, c'est le tout le monde. Visage souriant. Je peux okay. Ça, tu peux. C'est le nôtre. Hein. Merci Titi pour le 14e mois, merci la beaucoup. Non, alors, contre, c'est la voiture noire. Ah, moi j'ai pas la noire. Non, j'ai la rouge, là, je l'emprunte et je la ramène, t'inquiète pas. Si vous voyez le pick-up noir lizard, là, il faut, de base, il faut pas le toucher. C'est lui qui. C'est juste, je m'évite de venir avec le Fiat et de repartir. Ah, le noir, c'est celui qui fait l'autodrive, d'accord, ok. Oui, Nounous, qui est programmeur informaticien sur le serveur et qui nous programme tous les courseplay et l'autodrive. Enfin, tous les autodrives, déjà. J'ai été informaticien, mais il y a tellement longtemps. Ah ouais, mais là, c'est pas mal, là. Là t'as du boulot, t'sais, y'a de quoi faire, t'sais. Ouais, mais ça a rien à voir avec de l'informatique. Ouais, carrément, non, mais je déconne quand je dis ça. C'est juste que si on t'avait pas, ça serait un peu plus chiant. Ouais, mais il faut que je finisse, mais là, j'ai pas la foi cette semaine. D'ailleurs, moi, il va falloir que je t'embauche juste 30 secondes. Qu'on essaye de se faire un circuit autodrive pour que les Ben aillent livrer au nouveau silo que je vais bientôt poser. Il est pas encore posé, ouais. Mais le prochain silo, ah, en fait, je voudrais que l'autodrive soucis, puisse après, livrer. Par contre, il faut qu'on fasse les points autodrive autour de tes champs. Ouais. Toutes les autres fermes se démerdent, toi, je te les ferai. Ah, oh, c'est gentil. Parce que j'ai vu que t'étais vraiment pas à l'aise avec ça. J'en ai pas besoin, c'est une forêt. Alors moi, l'autodrive, je suis pas à l'aise. Je commence à maîtriser un tout petit peu le courseplay. Ça y est, je commence à comprendre le fonctionnement. Ça va. Mais l'autodrive, non, l'autodrive, je suis encore à la ramasse avec, hein. Vraiment. Moi aussi, hein. Non, mais je suis très très basique en autodrive. Hein. Salut Monkey, salut Poupou. Alors oui. Du coup, je me fais une petite réserve, pas piquer des hannetons. On va aller livrer aussi l'orge, du coup, au moulin. Je sais plus qui est-ce qui avait besoin de blé ou d'orge, mais... Nous, mais je sais pas quelle quantité, je sais pas ce qu'on a en cours. J'y arrive tout juste, là. Parce que là, l'orge, j'en ai 300 000 litres, hein. Comment te dire que j'ai une bonne réserve? J'en ai largement assez pour mes poules, quoi. Ah oui, d'accord. Parce que je pensais qu'elle bouffait fort, tes poules. C'est pour ça que j'ai pas osé trop t'en piquer. Non, elle bouffe pas forcément fort. Non, là, je vais livrer une semi de 90 000 litres au moulin, histoire de remplir le moulin, le blindax. Et vu qu'il se vide en une demi-saison, bah j'ai largement le temps de faire le café avec, quoi. Ouais, non, mais c'est tes poules, elles bouffent, hein, quand même. Ouais, bouffent un peu, ouais. Bah après, elles sont un peu 1800. Elles prennent 40 000 par jour, par là, hein. Quasiment, ouais, 40 000. Je sais même pas, non, pas autant que ça, je pense pas. Attends, j'ai pas été les voir. C'est ce que j'ai mis l'autre jour, moi. J'ai rempli ça un coup le matin, un coup le soir, alors. Non, elles bouffent. Non, elles bouffent moins que ça. Elles bouffent 12 000 par jour, je crois. Ah non. Ah bah si, parce que j'ai que 24 000 de capacité dans l'enclos. La benne, elle a que 24 000 Pas la benne. La capacité de l'enclos, il est à. Ah oui, non, elle était à zéro. J'ai mis 24 000 le matin, effectivement. Ouais, t'as dû remettre 10 000 le soir, peut-être. Parce que je sais que ça me tient 24 heures en temps normal, je suis pas trop emmerdé. Salut le gamer, ouais, salut ça, tout le monde, salut ça. Romain, salut. Eh oui, non, mais c'est du coup, j'ai été parti avec un handicap de 24 000, c'est pour ça. Ouais. Tu vois, c'est bien d'entendre son prénom. Mais là, normalement. désolé. Mais là, normalement, ça devrait pas être. Ça devrait pas être piqué de la tombe parce que là, je vais avoir de la réserve en. Bah, pas en blé. Parce que blé, du coup, ça va être le jour prochain. S'il pleut pas, qu'on puisse faire la récolte tranquillement. Mais j'aurai de la récolte en orge. Et dès que le blé est prêt, bah je vais avoir de la réserve en blé aussi. Donc du coup je vais pouvoir livrer ce que j'ai à livrer pour vous. Mais bonjour du puits, bonjour. Alors moi je sais plus trop là, il faut vraiment que je m'y penche. Mais Bah faut me dire après ce que vous aurez besoin, parce que le champ 60 et 61 que je vais acheter, ça va être vraiment dédié à la livraison. C'est pareil, ceux qui ont besoin de paille, j'ai mis un an. J'ai mis un entrepôt. On va en avoir besoin beaucoup, je pense, pour ça. Quoi qu'on va pouvoir en faire un petit peu. J'ai déjà deux entrepôts qui sont presque pleins. Hein. Comment te dire que. Je sais pas s'ils nous en ont ramené ou pas. On a demandé. On manque pas de la paille. Alors, j'avais une idée. Faut que tu me dises ce que t'en penses. Sur le petit fichier, là, je vais le retravailler un petit peu, le petit Excel que j'ai fait. Là. Ouais, vas-y. Okay. Et je voulais mettre. Qu'on ait un petit espace commentaire en première page, histoire de se laisser des messages. Ouais, pourquoi pas. Et surtout, faire des pages à la fin sur les demandes, donc les demandes pour les arbres à couper à l'équipe de bûcherons. Ouais. Et des demandes. Ouais, pour les. Des prix d'achat qu'on propose, quoi. Par exemple, nous, on dit, on vous prend tout le lisier que vous pouvez nous fournir à 300 euros la tonne si vous le livrez. Si on n'est pas là, vous auto-facturez, et puis voilà, quoi. D'accord, ouais, on peut mettre les prix de vente et entre comme ça, nous, y a pas de problème. Tout le monde est au courant des prix que chacun veut pratiquer, et puis. Carrément. Non, mais je suis d'accord.
Je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas de problème. Tu peux tryharder ça. Il n'y a pas de souci. C'est pas grand-chose, hein. C'est juste deux menus déroulants, c'est un truc tout con. Ah putain, lui, il a fini. Il est vide, lui. Chier. Ce qui m'a bien amusé, c'est de faire les requêtes sur le... Ah bah tu m'étonnes. Pour initialiser le bouton. Pour initialiser la feuille. Du coup, alors attends, qu'est-ce que j'ai loupé? Salut le gamer, salut. Je suis nouveau, vous acceptez-moi, s'il vous plaît. Bah, il faut venir sur le Discord, déjà, pour t'accepter. Si tu vas sur le Discord, on pourra peut-être te prendre avec nous. Et dans les serres, tu fais des fraises ou d'autres cultures? Alors pour l'instant, j'en ai plus qu'une qui tourne et je fais que des serres. C'est histoire de pas bouffer trop de compos dans le serveur parce que sinon je suis énormément, on va dire, gourmand. J'attends de savoir s'il faut que je fasse des concombres, des oignons, mais ça va arriver très vite, je pense, avec Patoche qui va nous faire le... Je sais plus quelle usine. Et une usine bien sympathique que je vous montrerai plus tard. Et du coup oui, ça va produire autre chose. Pour l'instant, on a rempli les usines, on a rempli les serres et je vais j'en ai pas besoin tout de suite sur le coup. Salut le chariste, salut. Qu'après là moi pour l'instant, c'est il faut que j'arrive à faire un rendement en fait pour arriver à livrer les gars qu'ils ont tout besoin, parce que là les usines elles sont pas toutes démarrées, mais quand ça va démarrer, il va falloir qu'on ait un rendement suffisant pour tout le serveur. Et du coup, déjà on est content parce que le serveur craque pas. Contrairement à l'ancien qu'on avait, il s'était mis à vite craquer et puis là il craque pas. Donc c'est plutôt bien. C'est vraiment plutôt bien. Du coup, je vais re-remplir ça. J'aurais dû ramener les. Bon, c'est pas grave. J'aurais dû ramener les silos à grains. Malheureusement, je les ai pas ramenés, j'ai pas pensé. Ah oui, t'as pas fini encore avec mon train routier. Okay. Je le ramène. Et mets-le sur l'autodrive. Vous savez pourquoi j'ai un camion rouge avec des. Descendre dedans. Je le fais. Vous savez pourquoi j'ai un camion rouge cuve noire chez moi? Non. Non, vous savez pas. Okay. Le rouge, pourquoi c'est la logistique, non? Le rouge, c'est la logistique, je crois. Le voit lui. Le camion rouge, ouais. Ah putain, j'ai plus ce qu'il faut. Le camion blanc, tu veux dire? Non, le camion blanc, il est à moi. Le camion blanc, il est à moi. Un camion rouge. Quel camion rouge? J'ai un rouge, j'ai un bitrain là. Ah oui, c'est celui du transport. Ouais. C'est celui du transport. Ah bah hein. Il a dû venir chercher ton lisier. Le lisier? Non, le lisier il vient pas avec celle-là. Le lisier il vient avec le. Vous avez pas assez d'argent. Lisier, ça, hein. R2. Non, il vient avec les marrons. T'as je dois. Les marrons c'est les miennes. Et bah il doit prendre les tiennes alors pour venir. Mais je crois qu'il a, il a acheté des siennes, non? Enfin, le camion rouge, ça doit être à la logistique. Je verrai avec la logistique. Mais attends. Parce qu'il s'est garé là, mais je sais pas du coup. Mais je crois que c'est le camion de la loge, la log. Ouais, c'est le camion de la log, oui, ça c'est sûr. Et c'est les bennes de la log, j'ai l'impression. Ouais, il a tout pris rouge. Oh, pourquoi je peux pas remplir? Ah, parce que c'est fermé. C'est quoi les bonnes trappes? Eh ben. Tu m'ouvres la bonne trappe? Voilà, merci. Tu fais y attendre. Hop là. Ok. Du coup, comme vous voyez, on a pas mal de taf, donc si vous voulez nous rejoindre, point d'exclamation Discord, vous nous rejoignez. On a besoin de main-d'œuvre un peu partout. La logistique est archi débordée. Quand je vous dis archi débordée, c'est que. Ouais, c'est. Voilà, si vous aimez bien rouler sur les cartes, hein, la carte est grande, hein, c'est une x4. Et elle fait la taille de la crew farm. Donc si vous aimez bien rouler, vous avez de quoi faire, quoi. Il y a vraiment de quoi faire. Moi, je vais relancer mon course play. Je vais voir mes vaches, il faut que je redonne du complément minéral parce que j'en ai plus. Et derrière, il est quelle heure? 16h, 16, 17, 18, 19. Ouais, on va tomber dans la nuit après. Faut que je regarde les serres aussi. Ils sont ici, c'est remorque. Truc de fou. Je suis en train de moissonner sur FS23, Nolan. Eh ben putain, bon courage. J'ai avancé aussi un peu le off de FS23. Voilà, j'essaye de vous préparer un quatrième épisode le plus rapidement possible. Vous avez le troisième qui est sorti pour ceux qui sont dessus. La série a l'air de plaire. C'est bizarre parce que le jeu est super complexe. Apparemment, vous aimez bien. Et bonjour! J'ai posé le train chez toi. J'aurais bien voulu, oui, mais le PC est vendu. Service. Ah bah voilà, bravo. J'ai bien une réponse pour toi. Mais je te les ai posés. C'est bon, hein. Ils sont posés là. Hop là. C'est de la station service. On va relancer le course play, on va essayer. Bonjour Mika, bonjour. C'est trop bien. Ah ouais, t'apprécies FS23? Putain, moi, niveau difficulté, je le trouve archi énervé. Quand je dis archi énervé, c'est. Ouais, je le trouve même un peu trop énervé, je trouve. Même à partir de zéro sur FS22,
Ouais, d'accord. On n'a pas la même difficulté, quoi. Mais bon, si tu kiffes, si t'arrives à t'en sortir, c'est le principal, quoi. Faut être habitué. Ouais, faut être habitué. Moi, je plains, c'est les débutants. Hein. Les débutants, ils débarquent, là. T'as envie de crever. Oh. Les débutants, je les plains. Laisse tomber la neige, quoi. Hop là, j'aurais dû refaire le plein d'Adeblou et... Ouais, off, ça va faire le café. On va se démerder avec ça. Point plus proche, play. Allez, tu repars, toi. Nice. Alors, j'en étais où, ici, moi? Parce que j'ai... Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est le broyeur, il a pas fini. Ok, bon, c'est pas mal. Ça, c'est le... Ok. Là... Il arrive pas à monter. Il faut que... Ça, c'est mon dépôt. C'est mon dépôt de stockage pour les gars, ça. Là, vous voyez, ça, c'est la paille qu'on va vendre. Il y en a combien, là? Il y en a 136. Il faut que je remplisse l'autre côté. Il y a encore le blé qui arrivera, du coup, quand on aura passé 24 heures. Et du coup, on va avoir... ouais, on va avoir quoi faire. Comme ça, les gars, ils viennent. Hop, ils servent en paille. Ils rebarrent. Et moi, j'ai mon stock là-bas aux vaches. Et eux, ils ont un stock en coin de route, là. Ils sont pas obligés de redescendre tout en bas de la ferme. Ça, c'est pas dégueulasse du tout, quoi. Mon champ s'est fait repréparer. Là-haut, j'ai mis la chaux après avoir semé et plombé parce que je l'avais zappé. L'engrais est bon ici. Même si avec le semoir, ça a tendance à merder un tout petit peu. Mais bon, pas encore non plus trop dégueulasse. C'est parce qu'ils ont semé pas au bon moment, l'engrais. Ouais, c'est possible. Il faut, si tu le mets pas en première course, c'est pas impeccable. Ouais, bah ouais, en c'est... En première course. Si tu le mets avant, c'est pas impeccable. Ouais, bah je vais attendre et je repasserai le semoir 42 mètres dessus, tu sais, c'est pas trop grave, tu sais. Ça vaut pas vraiment le coup. Y a personne en logistique ? Si, si, mais il est tout seul, le pauvre, en logistique. Et comment te dire qu'on est 5 fermes à lui... à bien lui avoiner la gueule, tu sais, donc... Là, on n'arrête pas de lui demander des trucs. Moi, il doit me faire les livraisons pour la farine pour aller à la boulangerie. Donc, du moulin à la boulangerie. Il doit me faire les livraisons pour le pain qui va chez Harp. Il doit me faire aussi... pour moi, il doit me prendre des œufs. Il vide toutes les cuves à lisier, toutes les cuves à fumier de tous les animaux. Ils doivent... Il doit faire les palettes, mais c'est moi qui le fais. Ouais, il devait faire les palettes, mais du coup, il a plus le temps. Donc, du coup, c'est... Il nous transfère les ensilages aussi, qui a arrêté. Donc oui, on a repris un peu. Moi, j'ai remis en transfert automatique, du coup, pour l'alléger aussi un peu. Mais le pauvre, il est débordé, quoi. On fait pareil de notre côté, tout ce qui est trop gros volume, parce qu'on arrivait sur des volumes complètement délirants. Ouais, aussi, ouais. Nous, on... Bientôt une nouvelle usine sur le serveur, Pépon, il marque. Je suis pas au courant de celle-là. Personnellement, je reste sur Farming Simulator Switch édition FS17. Le 23 n'a pas conquis sur les vidéos que j'ai pu voir. Ouais, mais non, mais ça m'étonne pas. Après, le 17 était pas mal, hein. C'était sympa, hein, franchement. Le 17, enfin, c'était pas le 17, mais c'était soit le 16, soit le 18. Mais personnellement, ouais. Le 18, je pense que tu parles. Mais le 18, ça avait commencé déjà à prendre un axe un peu bizarre. Le 16 était assez sympathique, même si les graphismes étaient pourris, quoi. Par curiosité, j'étais à l'usine. Hop. Les palettes à l'usine, j'ai pas entendu, excuse-moi, j'ai coupé du coup dans ma... Ah, il a marqué qu'il allait y avoir une nouvelle usine, Pépon. Oui. C'est pour les palettes. Ah, c'est pour les palettes, pour produire plus de palettes. Sûrement. Ah ouais, bah... Non, c'est pour qu'elles soient compatibles avec les autres bâtiments, non? Alors, je sais pas ce qu'il nous prépare, le père Pépon. Je sais qu'il est dessus. Je sais qu'il nous a fait un semoir que j'ai pas eu le temps de mettre sur le serveur. Et que normalement on aura un semoir 20 km/h, un semoir Amazon, le gros là que vous connaissez qui est dans le data du jeu. On l'a juste un peu grossi. On l'a fait en semoir direct et on l'a mis en 20 km/h et on lui a agrandi sa capacité d'engrais et de semences. Histoire de dire que ça aille un tout petit peu mieux. Et je sais plus où j'en étais ici. Ouais, c'est un petit lag. Les lags habituels, ça arrive, c'est quand le serveur il save. Oui. Je me suis fait surprendre, c'est tout. Patron, tu as fait comment pour configurer l'autodrive? Car j'y arrive pas. Alors l'autodrive, c'est pas moi qui le configure, c'est Nounous qui s'en occupe parce que moi j'y arrive pas non plus. Moi c'est le course play que je commence à gérer gentiment. Voilà. Et bonjour! Et bonjour! C'est pas très, l'autodrive c'est pas très compliqué, enfin ça dépend ce que tu veux faire. Autodrive, il faut savoir, il faut maîtriser un tout petit peu. Prendre le temps de s'y pencher, il faut prendre une map où tu veux rien faire dessus, tu te fous du pognon, tu t'essayes. Ouais, c'est ça. Une fois que t'as compris comment ça marche, tu te mets sur une map à laquelle tu tiens.
Bah là personnellement ouais l'autodrive je l'ai pas touché, le course play je commence à vraiment le toucher assez gentiment. Parce que comment te dire que le course play si je l'avais pas j'aurais jamais pu moissonner cet après-midi. Hein. C'était impossible. Et moi ce que je trouve sympathique avec le course play c'est que tu vois j'ai une benne 98 000 litres je crois avec le camion là. Et du coup la moissonneuse je l'envoie avec le course play. Elle fait à peine une ligne, elle est pleine. Parce qu'on a un gros rendement dans le champ. Et du coup, bah, le camion, il vient, pouf, il vide la moissonneuse, hop, il repart. En fait, j'ai juste le camion à gérer quand il est plein. Et si je savais me servir du coup de l'autodrive, bah, tu vois, j'aurais pu dire à l'ouvrier du camion de partir livrer directement au silo pour revenir après. Ça nous permettrait voilà. de mettre les champs en automatique quasiment et de gérer autre chose. Quoi. Pour tout ce qui a des très gros rendements, c'est génial. Comme ça, tu peux faire tourner deux camions, en fait. Enfin, deux camions ou deux transbordeurs automatiquement. Et toi, tu fais que... Enfin... Ouais, c'est pas mal. Je sais pas si ça marche pour les semoirs. Pour les semoirs, tu peux les re-remplir avec les transbordeurs pareil ? Non, avec le transbordeur non, mais tu peux les renvoyer au silo. Remplir dans un silo. D'accord. Ouais, c'est pas con. C'est comme ça qu'on a semé en 3 mètres. Hein, sur oui, bah oui, je me doute. Ouais. Parce que quand t'as 15 heures de semis avec deux semoirs. Ouais, bah oui. Oui, ça doit être légèrement la mort. Ouais. D'accord. Mmh. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, on est fou, mais quand même, hein, on est fou, mais des choses. On se tolère quand même. Non, par contre, du coup, attends, Pépon, il y a balle, des choses oui. qui sont pas automatisables. Hein. Ça dit Striker. Oui, il y a des choses. Bah, et encore, il y a des choses qui sont pas automatisables. Il n'y a pas grand chose qui s'automatise pas, quoi. Bah, bonjour, par exemple, quand t'as des engins bonjour, hétéros. Bonjour, Laure. Spartan. Spartan. Patoche, non, j'étais en train de penser à Spartan, c'est pour ça. La map, c'est Aubelron. Département Aubelron, pardon. On est sur la grande de chez grande, de chez grande. On est sur la x4. Si vous voulez, mon champ, il a l'air petit comme ça, mais en fait, la carte est juste énorme. Juste trop énorme. Donc, à la base, vous avez ça, je crois, si je me rappelle bien. Voilà. Vous avez ça sur l'origine Aubelron. Et du coup, là, bah, on a tout ça en plus, hein. Tout le bord. Comme vous voyez, c'est assez gigantesque. Vraiment. C'est pareil, j'ai de la déco à faire, les bords de champ à faire, parce que j'ai juste coupé les champs en deux et j'ai pas fait l'herbe, j'ai pas fait les décors de chemin et tout ça. Faut que je m'amuse à le faire aussi. Il y a pas mal de choses qu'il faut que je m'éclate à faire. L'original, il me reste 6 champs à acheter. Oh, GG, Copnor. GG. Et bah là, celle-là, tu sais que on l'a bien bouffé la carte. Hein. Si je vous montre un peu. Vous voyez hein. Moi j'ai bouffé là, je vais bouffer ici là, secteur ici. Harp il va commencer à s'agrandir sur tout ce secteur là. Les gars ici ils achètent un peu partout. Donc on verra comment ça se passe. À nous. Je vais sûrement grappiller le champ 10. Ouais bah de toute façon. Des palettes là pour mettre des arbres. Ouais ouais bah ouais, vous allez être emmerdé avec les arbres dans pas longtemps là. Non c'est bon. Non il vous en reste sur la carte là. Ouais ouais bah on a encore la forêt, elle est toujours pleine la forêt, on a coupé. Pas couper grand chose. D'accord. On va certainement s'attaquer au 87 là. Tu vois là la déco là, il faudrait le nord de la carte là, il va mettre passer en rose là. Ah. Bah là ça manque les finances donc il faut qu'on rentre des sous. Et pour rentrer des sous, il faut lancer les usines. Et pour lancer les usines, il nous faut de la matière. Et pour faire de la matière, il faut charbonner. Donc du coup, voilà. C'est charbonne. Le serpent qui se mord la queue. Du coup, bah charbonnons, ouais, c'est le cas de le dire. Charbonner, charbonnons. Du coup, moi, je fais mon possible pour essayer d'avoir un maximum de grains. Comme ça, quand la demande va tomber, normalement, je serai opérationnel. Ça, je suis tranquille. Nous, normalement, si on s'en sort bien, ce soir, on a remboursé la moitié de l'emprunt. La moitié de l'emprunt. Putain, vous avez pété 5 millions dans la journée, là. Ah ouais, vous êtes vénère. Ah non, non. Non, non. On a déjà remboursé une bonne partie. Ah oui, tu m'as fait peur. J'allais dire, putain, si tu crames la moitié de l'emprunt aujourd'hui, ça va. Non, non, tu t'en sors bien. On rembourse un million par soirée de jeu. Un million par soirée de jeu, ouais, c'est ça. Moi, je suis entre 300 et 500. Ça dépend s'ils me rachètent le lisier et le fumier. S'ils me rachètent le lisier et le fumier, je suis à 500 000 par jour. 500 000 euros par jour de gagner, quoi. C'est pour ça que le crédit à 10 millions, il me fait pas peur. Hein, parce que ça va aller super vite de le rembourser, quoi. Et là, il nous faut une deuxième moissonneuse pour aller plus vite. Oui, c'est moi-même. Toi qui connais bien les classes, le matériel des classes. Oui, je peux pas forcément t'aider. Sur la Trillon, la buse est assez longue pour prendre une 14 mètres. Normalement, oui. Ok.
Normalement, merci. Oui, si je dis pas de conneries, oui. Regarde si la buse est pas réglable d'ailleurs. Je crois que la buse. Elle l'est pas. Elle est pas. J'ai gonflé le moteur, mais j'ai pas pu. Oula, je conduis comme un fou. Oui. Mais normalement, oui. Non. C'est le, j'ai acheté ton ancienne batteuse. Ah, t'as acheté mon ancienne batteuse, la Triant, à la pauvre. Ouais, parce qu'avec ce qu'on lui avait mis dans la gueule. Je l'ai gonflé un peu. Ouais, bah on l'avait gonflé, je crois. Elle était à fond. Ah, bah oui, bah, je suis parti sans le. Bah, peut-être que la config a sauté. Hein, ah, ouais, c'est possible au shop que pour l'avoir pris cassé. Tu l'as racheté combien? Moins 50%, non? 224 000 là, je crois. 224 000 Ah, moins 63%. Moins 63%, un truc comme ça. Ouais, c'est pas mal. C'est pas dégueulasse. Regardez les fermes à côté, ça se construit, hein. Ça commence, hein. Les gars, ils ont pas rigolé, hein. Ça envoie du steak. Moi, il faut que je le fasse, mon corps de ferme, parce qu'il est dégueulasse, mon corps de ferme. Énorme. Tu as versé quelque chose pour le transport du grain avec le camion? Oui, tu verses... Attends, tu parles de quel? Celui-là, là? Parce que ça, c'est mon camion, c'est mon grain. Donc, je vais pas me verser quelque chose à moi. Hein. C'est bon, hein. Ça suffit de payer, hein. Je paye assez de factures. Mais oui, quand la logistique se déplace, oui, ça coûte 2500 euros à chaque fois. Donc oui, en temps normal, je m'en débrouille, quoi. Il m'envoie la facture. D'ailleurs, j'ai pas regardé si j'avais des factures aujourd'hui. Si, tu vois, communautaire, 24 000 euros. Et hey, payons la facture. Payez la facture. Hop là, voilà, elle est payée. J'ai oublié, je suis un boulet. J'ai pas impeccable. Salut, Inspi. Bonjour. Donc pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, je le disais maintenant, je le redis, on retournera sur SnowRunner mercredi. Voilà, mercredi prochain. Ce mercredi, j'avais pas eu le temps de préparer, on va dire, l'arrivée pour le PTS et tout ça. Donc les serveurs test, si vous préférez. Et du coup, j'ai pas eu le temps de le tryharder bien. Et bon, bah tant pis, ça sera repoussé la semaine prochaine. Vendredi, on sera sur Diablo. Dimanche, on sera sur la Farming Simulator League avec l'équipe de streamers. Et lundi, on reviendra sur le communautaire. Voilà. Donc comment te dire que ça devrait être Diablo. Pas piqué des hannetons. Oui, j'avais promis de le faire à un gros donateur de la chaîne. Et d'accord. Normalement, j'aurais dû essayer de monter l'équipe. Et malheureusement, j'ai pas grand monde qui y joue. Il cherche du monde pour jouer avec lui. Ouais. Du coup, si vous êtes intéressé par Diablo, venez vendredi et j'essaierai de vous grouper avec l'Odol. L'Odol qui cherche du monde, vraiment, pour tryharder le jeu. Moi, j'aurais pas le temps. Là, ça tombe très mal niveau planning, c'est déjà pas sûr au départ. Mais du coup voilà, si vous êtes chaud, n'hésitez pas quoi. Oh bah je peux encore ramener une semi, ça passera. Ah oui, tu parles du rouge tout pourri là, du quelqu'un trop joué, c'est le mien, le quelqu'un trop tout pourri. Ah bah je te l'ai emprunté, je te l'ai ramené. J'ai pas réussi à le faire. Ah je sais pas, il faut demander, c'est le mien, enfin entre guillemets, c'est Akero qui me l'a configuré pour moi. Ok. J'aime bien les cornes devant. Je vais vous montrer. C'est la ferme de qui est au moulin là? C'est la ferme de Harpe, c'est ça? Avec les agipacs, les crones et tout là. Non, c'est qui est là? Moulin. Tu vois où je suis là? Je suis au milieu, vers la flotte là, ouais, vers la rivière. Les oranges, ouais, c'est Harpe. Les oranges, ouais, je crois que c'est Harpe. Hein. Ouais, c'est Harpe. Je vois l'usine de semences, donc si c'est Harpe. C'est ça, c'est Harpe. Regardez Harpe. Ouais, c'est Harpe. Je comprends pourquoi il a plus de sous lui. Il a fait de la déco de ouf. Regardez-moi ça, le matos qu'il y a sur la carte. Ah ouais, lui il a été vénère en matos, hein. Ah, il a fait un paquet de missions pour se le payer. Ouais, carrément, ouais. Ouais, il a éclaté les missions. Il est sympathique, son corps de ferme. J'ai eu le temps d'en prendre qu'une de mission. Il a fait l'emploi. Deux, ah, il a mis des poules aussi, lui. Il a des œufs aussi, le petit père. Ouais, il c'est aussi pas dégueulasse. Mais semences. D'ailleurs, il faudra que je lui dise, je sais pas s'il passera ce soir, je pense pas. Mais il faudra que je lui dise que j'ai besoin de semences. Il y a un contrat à 45 000. Ouais, chouette la ferme. Épandage d'engrais. Bah prends-le. Ouais, ça, c'est carrément rentable avec le précis. Je t'explique en tout aussi. Ouais, mais j'ai pas le. Bonsoir, Ryder. Quelqu'un, t'as le matos toi? Ouais, viens chercher la ferme. Vas-y. Salut, ça va pas trop. Ça va, Carpiste. J'ai accepté le contrat, je vais faire ça pendant et que. Et toi? Mais je sais même pas où il est, le 82. Voilà, ça c'est fait. J'ai regardé. 82. Vous allez dash chez nous. Il va être géant le bordel. J'arrive. Ouais, c'est le grand. C'est le... Alors, du coup, pour mon nouveau boulot, je suis toujours en attente. Ils vont avoir une forte demande dans l'entreprise où j'ai postulé à partir de juillet, apparemment. Fin juin, mi-juin, début juillet. Voilà. Ils attendent les contrats militaires qui devraient tomber parce que je devrais travailler pour la défense normalement. Et du coup, je suis en attente toujours. Donc là, tu vas me dire, ça m'arrange de pas retourner travailler.
Mais ça devrait arriver très prochainement, sans plus tarder. Ça m'arrange dans le sort où, tu vois, grosse sortie de jeu, beaucoup de travail sur le côté. Et du coup, à voir comment ça se passe. Mais bon, normalement, ça devrait bien se passer. Moi, ça va bien... Ça va être compliqué le stream Diablo quand tu vois le nombre de streamers en drop Twitch prévu. Non, oui. Mais oui, bon, bah, c'est pas grave, il y aura du monde, mais voilà. Je me suis engagé à le faire avec le Dol, donc je vais partir dessus. S'en fout, le jeu est disponible déjà, donc on peut aller le DL. Après, oui, il y aura du monde dessus, mais c'est pas grave, ça fera une soirée tranquillou. Dans quoi c'est ton taf? Bah, moi, je suis mécanicien, voilà, on va dire ça en gros, je suis mécanicien. En ingénierie spatiale. Non, je plaisante. Ben, j'aurais pu le faire. Si j'aurais voulu, j'aurais pu le faire. Mais non. je suis technicien au constructeur moteur thermique et organe. Voilà. Ça va? Doliprane de boîte, minimum. Du coup, je fais tout ce qui est préparation moteur. Quand il faut prendre un moteur de 200 chevaux d'origine et le ramener à 800 ou 1000 chevaux, ben, c'est moi qu'on appelle. Voilà. Bah, usineur fait partie aussi de mon boulot. Usineur, fraiseur, soudeur à l'alu, inox. Voilà, il y a plein de corps de métier qui sont regroupés dans ce terme technique. Diplômé d'un bac, voilà, pour mon CV. Vous l'avez tous. Impeccable. Du coup, je fais beaucoup d'aéro-spatial, beaucoup d'aéronautique, beaucoup de pour la défense, centrale nucléaire. Sous-marin nucléaire, groupe électrogène, vous savez les groupes électrogènes qui font la taille d'un bâtiment, bah voilà, je travaillais, ma dernière entreprise c'était ça, c'est je faisais les pompes à injection pour groupe électrogène de centrales nucléaires et de sous-marin nucléaire, voilà, et du coup c'est les gros bâtiments moteurs, quand tu rentres dans le piston en fait tu rentres carrément, t'as une porte, tu rentres dedans, voilà, c'est pas dégueulasse, c'est marrant, c'est même impressionnant quoi. Il y en a un à Paris qui est énorme à la défense. Hop là. On va remettre une benne. Comme ça sera réglé. Streamer, créateur de contenu aussi à mes dépens. Aussi. Voilà. Producteur, créateur, scénariste, monteur, producteur. Oui, je l'ai déjà dit. Graphiste. Ouais, ça c'est l'entreprise qui est là-dessus. Voilà. C'est là mon métier. Ok. Tu dois utiliser des pièces que j'ai fait, alors. Ah, c'est possible. C'est tout à fait possible. Hein. On a beaucoup de sous-traitants bah, pour Saint-Nazaire et tout ça, le groupe Man et tout. On a beaucoup de sous-traitants. Beaucoup de trucs. Il y a tout ce qui est injection est construit sur place, mais après, toutes les coques extérieures, la fonderie, tout ça, c'est apporté en sous-traitant. Donc oui, c'est possible que j'ai déjà utilisé. Du matériel à toi, hein. Et un vélo sur ton boulot ou possible? Non, carrément pas, non. Ah, puis oublié, hein. Je te le dis carrément. C'est des secteurs d'activité qui aiment pas la publicité, c'est donc non. Ça serait super marrant, franchement, à vous montrer, mais non, ça serait techniquement pas possible. Ça serait même impossible, parce qu'il y a des trucs qui sont secret défense, il y a des choses qu'on touche, là, je vous ai parlé du basique, mais il y a des choses qu'on fait, des tuyauteries qu'on fait, ou des systèmes de moteur, ou d'injection, ou des trucs comme ça, qui sont classifiés. Même nous, on en sait très peu. On a le plan technique avec la pièce, mais on n'a pas la fonction, tu vois. Et bon, vu que je travaillais sur trois secteurs, j'étais au départ à l'usine, enfin pas à l'usinage, mais j'étais en sortie de l'usinage, donc en traitement des pièces, voilà, avec le contrôle, donc service qualité. Et après, j'ai été monteur en groupe d'injection. Et après, j'étais carrément... j'étais comme un dieseliste, en fait. Donc, je prenais les matériaux, j'allais à Nantes, à Saint-Nazaire. C'est pas vraiment Nantes. Pour vous situer à peu près, c'est à côté. Et j'allais monter les pompes injection là-haut, dans les moteurs qui font la taille d'un bâtiment. Voilà. Du coup, on s'amusait bien. C'était une bonne partie de rigolade. J'avoue que c'était sympa. Mais ça serait pas possible, non. Bonne nuit, patron. Des bisous, patoche. Des bisous, tchou-tchous. Et puis, courage, hein. Ça va bien se passer. De toute façon, tout ce qui touche à un sous-marin, c'est classé secret défense. Ouais, bah ouais, c'est un peu le problème, quoi. Puis, les groupes électrogènes que j'ai, c'est les groupes électrogènes... enfin, les groupes électrogènes que j'ai pas, déjà, c'est pas à moi. Les groupes électrogènes qu'on s'occupe, c'est les groupes électrogènes qu'au cas où Paris tomberait dans le noir et qu'il y aurait un blackout qui permettrait d'alimenter les hôpitaux, les trucs comme ça, quoi, tu vois.
Donc c'est pareil, c'est des dossiers sensibles, tu sais, c'est... Tu mets pas ça sur internet et sur YouTube, quoi. Voilà. Pour vous expliquer un tout petit peu. Mais bon, c'est un métier sympathique. D'ailleurs, j'aurais même dû, à un moment donné, je partais sur la branche, j'étais... je sais pas si vous connaissez le groupe motosport Oreca et Danielson. Bah, à un moment donné, j'étais dans ces boîtes-là, voilà. On faisait des Formule 3, des Formule 1. Chez Danielson, je faisais les volites de turbo pour le groupe Alpine. Vraiment, hein, sérieux. Donc j'étais en fonderie et je faisais les turbos à magnésium. Voilà. Pour raconter un peu mon boulot et ma vie. Et Oreca, bah, je montais les moteurs pour de la GT3. Donc c'était sympa. Franchement, c'était un bon boulot. Mais les places sont chères, très très chères. Et on va dire qu'ils prennent toujours entre 20 ans et 25 ans. Donc vu que je suis déjà arrivé tard dans le game, bah du coup j'étais beaucoup d'intérim quand il y avait beaucoup de boulot, mais j'ai jamais réussi à me faire embaucher dans cette branche. Sinon je crois que j'aurais jamais été sur les réseaux si j'avais trouvé un métier fixe là-dedans. Je pense que je me serais jamais lancé en tant que streamer et youtubeur, bien sûr. Jamais fait ça. Mais purée la chance, ouais, c'est un métier à découvrir quand vous aimez la mécanique. Ah, ça a frisé. La sauvegarde. C'est un métier à découvrir qui est très intéressant, mais très minutieux. Il faut être hyper précis, ça demande de la technique hein, aussi, un peu d'études. Et voilà, en temps normal après ça se passe bien quoi. Mais il faut être vraiment consciencieux dans son boulot, ça demande beaucoup de rigueur. C'est pas un truc, c'est pas tu prends ta Mégane et tu fais tes plaquettes de frein quoi, c'est pas ça quoi. Ah bah voilà, allez, zou. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sûr que ça sauvegarde? Parce que là moi je me suis retrouvé à sauter. Mais moi il s'arrête tout le temps. Bah moi aussi ça a arrêté. Ouh là. Attendez, je sais. La super force d'activer, non? Non. Non, elle est pas. J'ai des conflits de. C'est moi, c'est ça. Mais là, attends, bouge pas. J'arrête tout de suite mes bêtises. J'arrête tout de suite. Je vais avoir besoin de la super force, moi. Oh putain, ça prend pas. J'ai oublié que j'étais pas tout seul. Pardon. Si, c'est bon. J'ai lancé beaucoup trop d'autodrive. Ah! Oh! Le Vario, il vient de faire 256 km/h. Je pense que le radar, il est OP. Non, bah j'arrive même pas à prendre le camion Super Drive, t'sais. Enfin la Super Force. J'arrive pas à prendre la Super Force. Bah j'essaye de le débloquer de l'enroulage de poteau que j'ai eu le droit là. Voilà. Tac. Impeccable. Désactiver celui que j'avais aussi. Merde, c'est pas ça, c'est ça. Tac. Voilà. Peut-être de ma faute, excusez-moi, j'ai pas. Bravo! Ah bah là! Seul, hein. Pas d'une semaine! Allez, zou! Allez. C'est vrai? Non, on a besoin de toi, on a besoin de trop de boulot. Ah, là c'est pas moi, bon. Ah moi j'ai rien fait là j'ai désactivé. Rien fait non plus. Là je suis en train de livrer. Il m'a expliqué. Ah bah non, c'est mon deuxième autodrive qui s'est arrêté, c'est pour ça. Moi en autodrive, j'en ai eu qu'un qui tourne là. Ils ont tous autodrive fini. Autodrive ou courseplay? Courseplay, ah non, c'est courseplay qui tourne. Ouais non mais courseplay ça pompe quand même moins. Ouais carrément, t'sais. J'ai touché le lampadaire. Ah bah si vous le zéro là. Si vous le dites. Ah non, surtout qu'ils t'ont vu en skisette. Ah ouais, j'avoue que c'est pas de la bonne promo hein. Tu sais quand je vais à la boîte d'intérim et que je leur dis ouais bah j'ai ma boîte sur le côté mais il faut que je travaille en intérim parce que j'ai besoin d'argent parce que ma boîte suffit pas. Il dit ouais, vous avez quoi comme boîte? Bah je suis producteur vidéo. Alors soit ils pensent au cul directement hein. Je suis producteur de vidéo X. Soit bah ils pensent directement à streamer youtubeur et c'est pareil, c'est pas très bien vu. Du coup avec le CV que j'ai, ça colle pas vraiment. Donc ils sont un peu récalcitrants, tu vois. C'est pour ça que je galère toujours à trouver du boulot. Ou sinon, bah partir chez Michelin, faire des pneus, ou chez Getz, ou voilà. T'sais. Là, il y a de l'appel, quoi. Mais c'est plus le même taf, quoi. Mais bon, quand t'as besoin d'argent, bah t'y vas, quoi. Un peu comme moi, là, en ce moment. Je vais y aller, vous inquiétez pas, ça arrive. C'est vrai que t'as un côté Manuel Ferreira. Ah ouais, bah, ouais, je comprends bien. À fond. Ah ouais, là, j'y crois à fond. Merde, putain, je m'enroule autour de l'arbre là, je n'arrive pas à sortir. La triple essieu. Reprenons-nous. Pensons au Rotruck. Prendre large pour tourner à gauche. Ce sera pas dégueulasse. Voilà. C'est bien. Rotruck d'ailleurs qui va être repoussé parce que du coup on était censé le faire vendredi. Et vu qu'il y a la sortie de Diablo, on va le faire vendredi prochain. Voilà. Il y a notre petit Gabi officiel qui nous a du coup rechangé le nom de team. Donc c'est plus la Svita, c'est la CDT. Voilà. Et c'est pas à confondre avec la CGT.
Hein? Mais du coup, voilà, il va... c'est la CDT, recrutement ouvert. D'ailleurs, le Discord devrait être rapatrié sur, sur le mien dans très peu de temps. Du coup, on a restructuré un peu l'équipe. Et ça va être pas piqué des hannetons. J'ai récupéré du coup le nom de la Svita parce que je veux le dédier à l'équipe. L'équipe Svita Twitch, la petite équipe qu'on met en avant. Ça sera pas piqué des hannetons. Ça sera pas dégueulasse. Hop là. C'est quoi le pourcentage en bas à droite? En bas à droite, le pourcentage. La benne? Une question, je crois. Ah non. Non, il y a un pourcentage en bas à droite. Ah oui, de oui, je viens de le voir, le zéro. Ouais. Pour moi, c'est le patinage. C'est le patinage? Oui. Je sais pas si on peut s'embourber. Mode... Non, mais en la fait, neige. quand on tire trop sur les. Quand on commence à patiner, le chiffre augmente. Ah ouais, d'accord, ok. C'est le pourcentage de vitesse bouffé par le patinage, j'ai l'impression. Je savais pas qu'on avait mis un mode. Et mode on de peut afficher plein traction. De trucs, ça sert. C'est le mode qui sert le GPS étendu là. Je sais pas du tout me servir. Le VCA? Oui, ça fait partie du VCA ça. Ah bon? Oui. Je me rappelais pas qu'il y avait ça sur le VCA. Ah oui, non, bah je viens de tourner. Ouais, il faudrait que je regarde le patinage. Attends, fais voir. J'ai réussi à le faire monter à 12%. Fais voir. Je vais essayer de patiner. Bah, il faut charger quoi. Ah oui, c'est le patinage. Non, mais t'as raison. C'est le patinage. C'est ce qui me semble, hein. Après ça peut être... Ouais, non, mais si, parce que je viens de freiner dans l'herbe et réaccélérer d'un coup, et ça a l'air d'être le patinage, j'avoue. Et après, tu peux afficher ta vitesse moyenne, ta consommation moyenne, horaire... Ça affiche la consommation moyenne, on va pas être beau, là. Je pense qu'on va être plutôt dans la merde, là. On te dit autant que le patron, c'est ça? Ah bah, bon, non, ça serait bien s'il buvait autant que le patron. Je pense qu'il boit plus que le patron, même. C'est... Putain, les machins, c'est affolant, quoi. C'est affolant comment ça boit. Bon, après, on a mis le serveur en consommation élevée aussi. Hein. Ouais, donc, mais sinon, c'est... Enfin, moi, c'est un truc que je reproche un petit peu. C'est... Enfin, de base, ouais. Mais sous ton moyen, tu répares plus souvent que tu fais le plein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça, on est tout à fait d'accord. Là, je trouve ça c'est con. C'est un peu dommage. Tu fais quand même un peu plus souvent le plein que la vidange, quoi. Bah ouais, carrément. Souvent. Un plein et une vidange, ça reviendrait cher, t'es. Bah, schizo, t'as un long remorque. Tac. Ah, c'est moins vrai, mais avant, sur les grosses puissances, il les faisait toutes les 100 heures, les vidanges. Ouais, 100 heures, ça te fait pas un plein. Oui, tu fais... et tu fais un... ouais, tu fais 10 pleins, quoi, ouais. Ouais, bah ouais, c'est ça. Hop bah, là. C'est pas... Ouais, c'est pas bien. Quand on y réfléchit, c'est pas énorme, hein, par rapport à une voiture. Ah bah non, 10 pleins. Bah, une voiture, quand tu regardes bien, moi je fais la vidange tous les 6 mois sur la mienne. Merci pour le foulon, Kazou. Merci. Ouais, tous les 6 mois, ouais, mais moi je roule beaucoup. Je fais 35-40 000 à l'année. Et t'as pu la mettre en longue drive. Et ouais, je le mets hors champ en plus, parce que je suis pas à jour quand je le fais. Hein. Je le fais une fois tous les 6 mois, mais normalement je devrais le faire un peu plus proche. Non, ouais, toujours. Enfin, c'est dépend. Bah, 40 000, normalement, j'aurais devrais le faire 4 fois par an. Ouais, ça dépend vraiment de ce que tu mets comme huile. Ouais, bah, moi, je te conseillerais de le faire tous les 10 000, tu sais. Bah, après, t'es pas obligé de changer non. Les fils tous les 10 000, mais en vidange, tous les 10 000 pour les dernières générations de merde qu'on a comme moteur, ouais, 10 000, c'est très bien. Le mien, il est conseillé à 15 000 et on peut le pousser à 30. Ouais. De base, hein, donner constructeur. Ouais, non, mais constructeur, il faut de la main-d'œuvre hein, pour remplir les concessions. Ouais, il faut du boulot, Volkswagen, quand même, hein, c'est pas... Ouais, bah encore pire. Volkswagen, Das Auto. Oh putain, oh, bah, t'as sorti la bonne ref là. Nice. Oh, Volkswagen, ouais. C'est une sous-marque de Volkswagen. Ah. Ouais, c'est pareil. De toute façon, c'est les mêmes moteurs. Non, c'est la même voiture, c'est même pas une question de même moteur. Le carnet d'entretien, ils l'ont pas réimprimé, j'ai le logo Volkswagen dessus. So, oui, c'est Skoda, Volkswagen, c'est Skoda, quoi, de toute façon. Oui. Skoda, ouais. Oui, c'est ça. Ouais, j'ai acheté Skoda, hein, c'est moins cher. Mais c'est la même chose. Ouais. Ouais, les groupes, ça a bien changé maintenant. Ça a bien changé. Je sais pas, quand tu vois que
Il y a du Renault dans du Mercedes ou tu croises du... Ou du Mercedes dans du Renault. Voilà, c'est ce que j'allais dire dans le sens contraire. Tout dans tout de toute façon. Mais non, on achète les pièces au même endroit. La Twingo. Un peu bizarre. Bah, la Twingo, la dernière Twingo, vous savez qu'elle était en promotion. C'est une Smart, hein. C'est une Smart Robergé. Ouais, c'est une Smart Robergé. Ouais, tout à fait ça. C'est exactement ça, quoi. Moi, ça me fait marrer quand je vois ça. Quand tu vois Renault qui s'amuse à mettre un double embrayage sur une Twingo, tu dis, ah, il y a un truc qui va pas, là. Ouais. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Vous amusez? Ça sent les emmerdes, les gars. Ça allait déjà pas faire des moteurs, enfin, des injections, donc... On sait pas essayer de faire des doubles embrayages, ça sert à rien. Ouais, surtout là-dessus, quoi. Enfin, même en motoriste, ils sont pourris. Pour nous. Oh, tu vas me le remplir, là, des blues, là? C'est comment, là? Non, en poids lourd, ils s'en sortent bien. Ouais. Ouais, si tu commandes 500 chevaux et que t'en veux 300, il y a peut-être moyen, ouais. Ouais. Bah, il marche super bien. Oui, bon, bah après, ça dépend ce que t'en fais. Bon, pourquoi je peux pas le remplir, là? Ah, bah, je suis sur la barre de coupe, mais quel connard. Fais une charge en montagne. Ah, bah non. Bon, pourquoi j'arrive pas à remplir le plein, là? Y a plus de gasoil, là? On a vidé les cuves ou quoi, là? C'est quoi le souci, là? Attends, 23 000 litres, ah bah non, il y a le plein là-dedans. Là. Je vais refaire le plein tant que j'y suis. Ah ouais, j'ai bouffé que 1000 litres. La D-Blue, on peut pas prendre la pompe? Non. Pourquoi je peux pas charger ma moissonneuse? Je vais tourner dans l'autre sens, ça sera peut-être mieux. Hop. Laisse-moi faire le plein, bichon. Voilà, comment c'est le remplissage? Voilà, ça y est, c'est parti. Gentiment. Bonsoir petit Lu, bonsoir YouTube, on va se faire des bisous, je vous dis à la prochaine esquizo, vous allez être content, vous allez voir.